had to develop every part of the robot ourselves. It is designed to be manufactured in the same way they would make a car, and I think ultimately we can make Optimus for less than the cost of a car. I think the ratio of humanoid robots to humans will probably be at least 2-to-1. My guess is humanoid robots are more like at a billion plus per year. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Can it pick up a needle and a thread and thread the needle just by looking? How far away are we from that? Just by looking. Maybe a year. Now, what happens when something vastly smarter than the smartest person comes along in silicon form? We tried hard to find anything that was, because you think of how many electric motors are made in the world. Tens of thousands, hundreds of thousands of electric motor designs. None of them were suitable for a humanoid robot. Literally none. L'annonce d'Elon Musk concernant l'achat de CNN serait rien de moins que monumentale. Ce serait une histoire qui bouleverserait les médias, redéfinirait le rôle du journalisme indépendant et déclencherait des débats dans les sphères politiques, technologiques et culturelles. Si un tel mouvement était confirmé, l'acquisition par Musk de l'une des principales chaînes d'information au monde ouvrirait la voie à un paysage médiatique que nous n'avons jamais vu auparavant. Aujourd'hui, plongeons dans ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des nouvelles, comment Musk pourrait diriger CNN, et comment cette acquisition pourrait modifier le discours public de manière que nous ne pouvons pas encore pleinement prévoir. Tout d'abord, voyons ce qu'Elon Musk obtiendrait avec CNN. CNN, ou Cable News Network, est l'une des organisations de médias les plus importantes au monde, diffusant dans plus de 200 pays et territoires. Fondée en 1980 par Ted Turner, CNN est devenue la première chaîne à proposer une couverture d'information 24 heures sur 24. Au fil des décennies, elle est devenue un géant multimédia, avec une influence et un rayonnement s'étendant à la télévision, aux plateformes numériques et aux réseaux sociaux. L'histoire et la place de CNN dans les médias américains sont aussi importantes que possible. Elle a été une source principale d'informations pendant des événements historiques majeurs, de la guerre du Golfe aux attaques du 11 septembre et des élections présidentielles à la récente pandémie mondiale. Cependant, ces dernières années, la réputation et l'influence de CNN ont été mises en question. Certains critiques affirment qu'elle s'est éloignée du reportage impartial, s'appuyant trop sur des articles d'opinion et un contenu politiquement chargé. Les audiences de CNN ont connu des fluctuations, avec des baisses particulièrement notables parmi les jeunes générations qui préfèrent de plus en plus des plateformes numériques alternatives pour s'informer. L'achat de CNN par Musk signifierait hériter de ses défis, mais aussi de l'incroyable héritage et de l'infrastructure associée à la présence mondiale de la chaîne. Alors, pourquoi Elon Musk voudrait-il acheter CNN ? Pensons aux entreprises récentes de Musk et à ses opinions déclarées sur la liberté d'expression, le discours ouvert et ses préoccupations concernant le billet dans les médias traditionnels. Musk a souvent exprimé sa frustration vis-à-vis des plateformes de médias qu'il considère comme privilégiant le sensationnalisme et le parti pris au détriment de l'information factuelle et équilibrée. Il a exprimé sa conviction que le public mérite d'avoir accès à une information impartiale, et il a pris des mesures audacieuses pour y remédier. L'achat de CNN pourrait être le plus grand pas de Musk vers la redéfinition de la façon dont les nouvelles sont diffusées. Imaginez un monde où CNN, sous la direction de Musk, privilégie la transparence et la vérification des faits, au lieu de se concentrer sur les récits orientés par les audiences. Cela s'alignerait avec les valeurs de Musk pour un débat ouvert, le plaçant dans une position pour influencer la perception des événements actuels, des enjeux sociaux et des dynamiques politiques par des millions de personnes. Les actions passées de Musk nous donnent quelques indices sur ses intentions. Pensons à Twitter, désormais rebaptisé X. Musk a acquis Twitter avec pour objectif déclaré de soutenir la liberté d'expression, de réduire la censure et d'offrir une plateforme pour un dialogue ouvert. Mais ces changements apportés à Twitter ont été polarisants. Certains louent de Musk pour avoir défendu la liberté d'expression, tandis que d'autres le critiquent pour avoir permis l'expression de voix que certains considèrent comme extrême ou divisive.
comment Musk appliquerait ses principes à CNN serait l'un des aspects déterminants de sa direction. Se concentrerait-il sur la transformation de CNN en un réseau strictement informatif, à l'abri des pressions des sponsors corporatifs et des inclinaisons politiques? CNN, sous la direction de Musk, pourrait prendre plusieurs formes. Dans un scénario, CNN pourrait devenir une organisation de nouvelles neutres, axée uniquement sur les faits, en supprimant les articles d'opinion et en se concentrant sur le reportage objectif. Cela représenterait un changement important par rapport au format de la plupart des grands médias qui ont flouté la frontière entre les nouvelles et l'opinion pour captiver un public avec des points de vue forts. Musk pourrait tenter de repositionner CNN comme une source où le public pourrait être sûr de recevoir uniquement les faits, avec une influence éditoriale minimale. Ce mouvement ne serait pas sans défi. Les réseaux d'information dépendent fortement des revenus publicitaires, et les annonceurs préfèrent souvent un contenu qui touche émotionnellement les spectateurs, comme le font les histoires orientées et sensationnelles. Si Musk privilégie la neutralité, il risque de perdre une partie des revenus de CNN, ce qui pourrait rendre la chaîne moins rentable. Mais, compte tenu de la richesse de Musk et de son historique de décisions commerciales peu conventionnelles, il pourrait être prêt à accepter des pertes financières à court terme en échange de la création d'un modèle de nouvelle révolutionnaire. Un autre chemin potentiel pour CNN sous la direction de Musk pourrait être une plateforme de nouvelles axée sur l'innovation, en utilisant fortement la technologie pour atteindre les audiences de nouvelles façons. Imaginez une CNN où l'intelligence artificielle aide à la vérification des faits en temps réel, ou où les spectateurs peuvent accéder à des explications à la demande de sujets complexes en langage simple. Sous la direction de Musk, CNN pourrait adopter des technologies permettant d'élargir son audience et de se connecter à un public plus jeune et technophile, qui s'est largement éloigné des informations traditionnelles par câble. Musk pourrait également élargir les domaines de couverture de CNN en mettant en avant des sujets qui ne reçoivent pas toujours de temps d'antenne. L'exploration spatiale, l'intelligence artificielle, la durabilité et les technologies émergentes, des domaines auxquels Musk est profondément impliqué, pourraient bénéficier d'une couverture plus complète, précise et engageante sous une CNN dirigée par Musk. Ce changement pourrait faire de CNN une source privilégiée pour ceux qui recherchent des reportages perspicaces et basés sur des faits, sur ces sujets importants, mais souvent mal compris. Cela différencierait CNN de ses concurrents et attirerait des spectateurs intéressés par l'avenir. Une autre possibilité est que Musk utilise la portée de CNN pour engager les spectateurs dans des discussions interactives, semblables à un forum. Le désir d'Elon d'amplifier les voix publiques pourrait conduire à un réseau où le journalisme citoyen aurait une place importante. Peut-être que CNN pourrait inclure des sondages en temps réel, des séances de questions-réponses ou des retours directs de son public. Imaginez que les spectateurs puissent poser des questions directement aux experts ou participer à des discussions avec les personnes influentes. Cela créerait un écosystème d'information qui valorise l'engagement et le discours interactif, et non seulement la consommation passive. Cependant, la possible propriété de CNN par Musk n'est pas sans controverse. Sa nature directe et sa volonté d'exprimer ses propres opinions pourraient en faire une figure divisive dans le journalisme. Les critiques pourraient faire valoir que l'influence de Musk sur CNN pourrait créer un biais en faveur de ses propres intérêts. Il pourrait s'inquiéter que les opinions personnelles de Musk, notamment sur des sujets où il a des intérêts commerciaux tels que l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle ou même la politique énergétique, puissent influencer subtilement la couverture de CNN. C'est une préoccupation légitime et que Musk devrait aborder s'il souhaite que le réseau conserve sa crédibilité. Nous ne pouvons pas ignorer le contexte culturel et politique dans lequel Musk s'engagerait avec CNN. Aux États-Unis, CNN a longtemps été associée à certaines tendances idéologiques, tout comme Fox News avec les siennes. L'achat de CNN par Musk pourrait encore polariser les audiences, surtout s'il opère des changements majeurs dans l'orientation éditoriale. Les personnes de tous les horizons politiques pourraient remettre en question les intentions de Musk et interpréter ses actions comme un moyen d'injecter ses propres croyances idéologiques dans les médias traditionnels.
Mais l'acquisition par Musk pourrait également avoir un effet nivelant, incitant d'autres réseaux à réévaluer leurs pratiques éditoriales. Si Musk transforme CNN en un réseau idéologiquement neutre, axé sur le reportage factuel, cela pourrait mettre la pression sur d'autres médias pour qu'ils suivent le mouvement. De cette façon, CNN, sous la direction de Musk, pourrait favoriser un environnement médiatique plus sain et équilibré dans son ensemble qui privilégie l'objectivité au sensationnalisme. Enfin, considérons les implications mondiales potentielles de cette acquisition. CNN n'est pas seulement un réseau national, c'est une source d'information de confiance pour les audiences internationales également. L'influence de CNN en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine signifie que les changements apportés par Musk auraient un impact bien au-delà des frontières des États-Unis. Cela pourrait positionner Musk comme un leader des médias à l'échelle mondiale, influençant potentiellement la manière dont des milliards de personnes reçoivent des informations sur les événements mondiaux. L'empreinte mondiale de Musk pourrait amener CNN à devenir plus inclusive dans sa couverture internationale. Bien que le réseau dispose déjà de correspondants et de bureaux dans le monde entier, Musk pourrait renforcer cela en donnant la priorité à des histoires sous-représentées et à des régions qui ne bénéficient traditionnellement pas d'une couverture médiatique étendue. Il pourrait encourager le réseau à se concentrer sur des histoires qui traitent des défis communs à l'humanité, tels que le changement climatique, les disruptions technologiques et les crises de santé, s'alignant ainsi avec sa vision d'un avenir durable et interconnecté. Pour ceux qui voient le potentiel, CNN dirigé par Musk pourrait représenter un changement rafraîchissant, offrant au public un média qui privilégie la vérité, la transparence et le discours constructif. Mais il y a des défis incontestables. Gérer un grand réseau d'information est une entreprise très différente de celle de diriger une entreprise technologique ou une plateforme de réseaux sociaux. Le journalisme repose sur des principes d'objectivité, d'équité et de responsabilité, qui exigent de naviguer dans des normes éthiques et opérationnelles complexes. Cette transition n'est pas facile, et Musk ferait face à un intense examen de la part des journalistes, des militants et des acteurs de l'industrie. Que feraient les concurrents de CNN en réponse? Si Musk transforme CNN en une plateforme de nouvelles plus neutre et axée sur la technologie, d'autres réseaux pourraient se sentir obligés d'adapter leur modèle. Imaginez un paysage médiatique où plus de réseaux, au lieu de se livrer une concurrence idéologique, s'efforcent de maintenir l'objectivité pour regagner la confiance du public. Ce changement pourrait contribuer à un mouvement culturel plus large où les citoyens commencent à faire de nouveau confiance aux médias traditionnels, alors que les réseaux privilégient les faits sur les manipulations. C'est une vision ambitieuse, mais qui pourrait redéfinir l'industrie des médias de manière sans précédent. L'achat de CNN par Musk pourrait également accélérer l'innovation technologique dans le journalisme. D'autres réseaux pourraient expérimenter la vérification des faits par IA, le contenu interactif et des reportages transparents pour suivre l'approche de CNN. Nous pourrions assister à une révolution médiatique où le journalisme traditionnel se fusionne avec la technologie de pointe, offrant au public un accès instantané à des informations fiables et approfondies. Cela nous amène à une question intéressante. Musk pourrait-il inspirer d'autres magnates de la technologie à entrer dans l'industrie des médias? Le mouvement de Musk pourrait encourager des figures telles que Jeff Bezos, Tim Cook ou même Bill Gates à investir dans ou acquérir des entreprises de médias. L'entrée des entrepreneurs technologiques dans le journalisme pourrait conduire à une nouvelle ère médiatique, combinant l'intégrité journalistique avec le savoir-faire technologique de la Silicon Valley. Cependant, cela soulève également des inquiétudes concernant les monopoles médiatiques et le potentiel pour des individus influents de contrôler les récits. Le rôle des régulateurs dans ce scénario ne peut être sous-estimé, étant donné l'influence significative que les entreprises de médias ont sur l'opinion publique. L'acquisition de CNN par Musk ferait probablement l'objet d'un examen réglementaire approfondi. Les régulateurs devraient évaluer les potentiels conflits d'intérêts en s'assurant que la propriété de Musk ne compromet pas les normes journalistiques.
Cet examen est crucial pour maintenir une presse libre et indépendante, même à mesure que le paysage médiatique évolue. En fin de compte, le succès de CNN sous la direction de Musk dépendrait de sa capacité à maintenir un engagement envers l'intégrité journalistique. Si Musk respecte véritablement le rôle du journalisme dans la société, il a l'opportunité de créer un réseau de nouvelles à la fois novateur et fiable. Mais si les biais personnels ou les intérêts d'entreprise prennent le dessus, cet essai pourrait saper la confiance publique en CNN et dans le paysage médiatique en général. L'achat de CNN par Elon Musk, si cela est vrai, marquerait un tournant dans les industries technologiques et médiatiques. Cela reflèterait un désir de redéfinir la manière dont les nouvelles sont présentées, en mettant les faits et la transparence au-dessus de tout. Mais c'est un mouvement qui vient avec une grande responsabilité, car la crédibilité de CNN et la confiance de son public sont en jeu. Le chemin que choisira Musk pour CNN ne façonnera pas seulement son héritage, mais influencera aussi le discours public pour les générations à venir. Alors que nous assistons à ce développement, une chose est certaine. Cette acquisition redéfinirait le rôle des médias dans le monde moderne, et nous faisons tous partie de cette histoire en devenir. L'achat de CNN par Elon Musk continuerait de susciter des discussions intenses dans tous les secteurs de la société, des professionnels des médias et des technologues aux fonctionnaires et aux consommateurs quotidiens de nouvelles. Explorons en profondeur comment cette acquisition potentielle pourrait se développer. Examinons les répercussions qu'elle pourrait avoir sur les opérations quotidiennes de CNN et envisageons les implications culturelles plus larges qu'une CNN appartenant à Musk aurait sur l'écosystème médiatique mondial. Tout d'abord, envisageons comment la salle de rédaction de CNN pourrait changer si Musk était aux commandes. Traditionnellement, CNN s'appuie sur un mélange de journalistes chevronnés, de reporters, d'éditeurs et de stratèges en contenu pour orienter sa ligne éditoriale. Mais Musk est connu pour constituer des équipes de technologues, d'innovateurs et de penseurs non conventionnels dans ses entreprises. Avec cette approche, il pourrait probablement intégrer des scientifiques des données, des ingénieurs en IA et des consultants stratégiques pour transformer les opérations de la salle de rédaction de CNN. Cela signifierait un virage important vers un journalisme orienté vers l'analyse, où les données d'audience et les algorithmes d'intelligence artificielle aident à déterminer quelles actualités sont couvertes et comment elles sont présentées. Musk pourrait également intégrer des analyses en temps réel pour s'assurer que les histoires évoluent avec les événements en cours, offrant aux téléspectateurs de CNN une expérience de nouvelles dynamiques qui reflète les développements les plus récents, plutôt que de simplement publier des histoires statiques. Imaginez une CNN où, au fur et à mesure que les nouvelles éclatent, des scientifiques des données analysent les tendances et fournissent des informations sur l'accueil sur les réseaux sociaux, le sentiment public et la trajectoire future possible de l'histoire. Cela non seulement améliorerait la rapidité des reportages de CNN, mais en ferait aussi un outil inestimable pour ceux qui souhaitent rester informés en temps réel. Les projets de Musk, Tesla et SpaceX ont prouvé sa capacité à opérationnaliser des technologies avancées. Et l'intégration de principes similaires dans la salle de rédaction de CNN conduirait à une opération de nouvelles véritablement du 21e siècle. De plus, l'influence de Musk pourrait pousser CNN à adopter un modèle de journalisme en open source, où les téléspectateurs participent activement à la collecte et à la vérification des nouvelles. Musk a souvent mis en avant le pouvoir de l'intelligence collective, comme en témoigne son approche de projets tels qu'OpenAI et la Boring Company. Chez CNN, cela pourrait se traduire par du contenu généré par les utilisateurs, permettant aux audiences de contribuer des informations, des perspectives ou des vidéos d'événements dans leur communauté. Cela rendrait CNN non seulement plus agile dans la couverture des nouvelles à l'échelle mondiale, mais donnerait également aux téléspectateurs le sentiment d'être impliqués dans le processus de narration, augmentant ainsi la transparence et la crédibilité. Pour permettre cette approche en open source, Musk pourrait développer une application CNN permettant aux utilisateurs d'envoyer des mises à jour en temps réel, des images et des vidéos, le tout passant par un processus de vérification utilisant l'intelligence artificielle.
Imaginez des personnes du monde entier agissant comme correspondants de CNN, fournissant des informations de première main, tandis que la chaîne utilise des technologies avancées pour authentifier ses contributions avant de les intégrer dans ses reportages. L'application CNN deviendrait une plateforme de journalisme citoyen, offrant aux audiences les outils nécessaires pour partager des nouvelles crédibles depuis leur point de vue unique. Un des plus grands changements que Musk pourrait apporter à CNN serait une refonte complète de son approche de la transparence. Pendant des années, les médias ont fonctionné derrière des portes closes, avec des décisions éditoriales et des biais souvent cachés au public. Mais Musk est un ardent défenseur de la transparence radicale. Il tweete souvent des mises à jour sur les opérations de Tesla, partage publiquement les calendriers de lancement de SpaceX et a discuté ouvertement de ses opinions sur Twitter. Appliquant cette transparence à CNN, il pourrait introduire un système où la direction éditoriale de CNN publie un résumé des raisons pour lesquelles certaines histoires sont couvertes, pourquoi d'autres ne le sont pas, et comment la chaîne cherche à équilibrer différentes perspectives. Cela représenterait un niveau sans précédent d'ouverture dans les médias traditionnels, permettant au public de comprendre le fonctionnement interne d'un grand média. Avec cette transparence, Musk pourrait introduire un panel éditorial tournant composé de journalistes, de vérificateurs de faits, d'experts indépendants et même de représentants de l'audience. Ce panel de conseil guiderait la couverture de CNN, garantissant que différentes perspectives soient prises en compte et que les biais soient minimisés. Les membres de l'audience pourraient même avoir leur mot à dire sur les sujets qui reçoivent plus de couverture, votant sur les sujets d'intérêt national et mondial pour orienter l'accent éditorial. Musk pourrait utiliser des sondages Twitter, des discussions sur Reddit et d'autres plateformes pour recueillir directement l'avis des spectateurs, donnant ainsi aux gens une voix dans les informations qu'ils consomment. Cependant, la transformation de CNN serait également confrontée à des obstacles. Tout d'abord, les journalistes pourraient résister à une approche technologique qui minimise les compétences de reportage traditionnelles au profit de l'analyse des données. Il existe une tension de longue date entre la technologie et le journalisme, car les journalistes expérimentés estiment souvent que l'intuition humaine et la compréhension du contexte sont irremplaçables dans la couverture de l'actualité. Musk devrait combler cet écart en rassurant les journalistes que la technologie les soutiendra, mais ne les remplacera pas. Il pourrait organiser des sessions de formation pour aider les journalistes à mieux comprendre et exploiter les outils basés sur l'IA, les positionnant comme des amplificateurs de l'intégrité journalistique. De plus, l'approche perturbatrice de Musk en matière de business pourrait introduire de l'incertitude quant à la sécurité de l'emploi au sein de CNN. Musk est connu pour restructurer des entreprises afin de maximiser l'efficacité et de réduire les redondances. Si Musk décide de rationaliser les opérations de CNN, les employés pourraient craindre des licenciements ou des changements importants dans leur rôle. Cela pourrait conduire à une résistance, impactant le moral des membres du personnel de CNN. Pour naviguer dans cette situation, Musk pourrait introduire des mesures telles que des programmes de reconversion, mettre en avant les avantages de sa vision pour CNN et créer un environnement collaboratif où les employés se sentent partie prenante du processus de transformation. Un autre domaine sur lequel Musk se concentrerait probablement est la lutte contre la désinformation. Aujourd'hui, CNN et d'autres médias font face à un défi énorme pour combattre la désinformation et les fausses nouvelles, notamment lorsqu'elles se propagent sur les réseaux sociaux. La CNN de Musk pourrait utiliser des algorithmes avancés et la technologie blockchain pour authentifier les sources et vérifier la précision des histoires avant leur publication. En utilisant le registre infalsifiable de la blockchain, Musk pourrait établir un enregistrement immuable des sources et des citations, donnant aux audiences la confiance que l'information de CNN a été examinée et vérifiée. Cela révolutionnerait la façon dont les gens perçoivent l'information et pourrait restaurer considérablement la confiance dans les médias traditionnels. Imaginez des articles de presse propulsés par la blockchain où chaque fait est lié à sa source
et où toute mise à jour ou correction future est enregistrée de manière transparente, permettant au lecteur de suivre l'évolution de l'histoire. Une telle approche pourrait faire de CNN un phare de vérité dans un monde en proie à la désinformation, la distinguant des autres médias qui peinent à lutter contre la propagation des fausses nouvelles. Considérons aussi l'impact culturel potentiel de l'acquisition de CNN par Musk. D'une part, cet achat pourrait brouiller encore plus les frontières entre les médias et la technologie, créant potentiellement une nouvelle forme d'infotainment qui mêlerait les nouvelles traditionnelles avec des discussions en direct, du contenu interactif et une narration alimentée par la technologie. Imaginez Musk introduisant des diffusions holographiques, des segments en réalité augmentée ou des panneaux interactifs où les spectateurs pourraient accéder à des données et des analyses détaillées à la demande. CNN pourrait devenir non seulement un réseau d'informations, mais une expérience d'information immersive où les audiences interagiraient avec les nouvelles de manière multidimensionnelle. Un scénario possible est que Musk utilise CNN comme une plateforme pour explorer et discuter de sujets généralement sous-représentés dans les médias. Étant donné les intérêts de Musk pour l'exploration spatiale, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la durabilité, CNN sous sa direction pourrait présenter des segments ou des séries spéciales dédiées à l'éducation du public sur ces sujets. Imaginez des programmes hebdomadaires sur les avancées en IA, des retransmissions en direct depuis les sites de lancement de SpaceX ou des documentaires approfondis sur l'impact des initiatives d'énergie renouvelable à travers le monde. Cela pourrait positionner CNN comme la principale source de connaissances sur les technologies émergentes et les avancées scientifiques, comblant un vide laissé par les médias traditionnels qui privilégient souvent les histoires sensationnelles au détriment du contenu éducatif. Pour les audiences, ce changement pourrait signifier une compréhension plus approfondie du monde et de son avenir, car Musk pourrait inspirer la curiosité et les discussions éclairées sur les prochaines frontières de l'humanité. En ce sens, CNN pourrait devenir un laboratoire de l'information, sous la direction de Musk, avec des segments qui encouragent les spectateurs à réfléchir de manière critique sur l'avenir, à remettre en question les avancées technologiques et à rester informés sur les découvertes scientifiques de pointe. Cependant, l'influence potentielle de Musk sur CNN pourrait aussi être source de division. Musk n'est pas étranger à la controverse, et ses opinions, notamment sur des sujets tels que la politique, la régulation et les questions sociales, sont souvent polarisantes. Cela pourrait aliéner certains spectateurs qui estiment que les points de vue de Musk pourraient influencer la position éditoriale de CNN. Pour atténuer cela, Musk devrait s'engager fermement envers l'objectivité journalistique, séparant ses croyances personnelles de la couverture d'actualité de CNN. Ce serait crucial pour maintenir la crédibilité du réseau et éviter la perception que CNN est devenu un porte-voix de l'agenda de Musk. De plus, l'association de Musk avec CNN pourrait avoir un impact sur la perception du public vis-à-vis des autres réseaux d'information. Les médias concurrents pourraient considérer CNN de Musk comme une menace directe, les incitant à renforcer leur propre position idéologique dans le but de se démarquer. Cela pourrait soit accentuer la division idéologique existante dans le paysage médiatique, soit, au contraire, encourager d'autres réseaux à viser une plus grande transparence et objectivité afin de rester compétitif. Si CNN réussit sous la vision de Musk, cela pourrait encourager un changement dans l'industrie des médias, les réseaux priorisant les faits, la transparence et l'interactivité plutôt que des récits divisifs. Pour Musk, l'acquisition de CNN signifierait également s'engager dans une industrie qui est étroitement surveillée par les régulateurs. La propriété des médias aux États-Unis est soumise à une surveillance étendue, et Musk ferait probablement face à des enquêtes de la part des agences gouvernementales pour garantir l'indépendance journalistique de CNN et le respect des normes de l'industrie. Cela exigerait de Musk de naviguer dans les complexités réglementaires, notamment en ce qui concerne les conflits d'intérêts. Après tout, les entreprises de Musk couvrent une variété d'industries,
des véhicules électriques à l'exploration spatiale, en passant par l'intelligence artificielle, et sa possession d'un grand réseau de presse pourrait soulever des questions sur d'éventuels conflits. Pour répondre à ces préoccupations, Musk pourrait envisager de créer une séparation claire entre ses intérêts commerciaux et les opérations éditoriales de CNN. Une option pourrait être la création d'un comité éditorial indépendant chargé de superviser le contenu journalistique de CNN. Ce comité pourrait inclure des professionnels respectés des médias, des universitaires et des experts en éthique des médias, garantissant que les reportages de CNN restent objectifs et exempts de l'influence personnelle ou d'entreprise de Musk. Sur un plan plus pratique, Musk pourrait tirer parti de la plateforme mondiale de CNN pour favoriser un dialogue ouvert sur des sujets controversés, même ceux liés à ses affaires. Par exemple, CNN pourrait organiser des discussions de type assemblée citoyenne sur les politiques des véhicules électriques, l'éthique de l'exploration spatiale ou l'impact social de l'intelligence artificielle, offrant un forum où le public pourrait interagir avec des experts et poser des questions. Cette ouverture pourrait contrer les accusations de partialité, démontrant l'engagement de Musk envers la transparence et la responsabilité. Une grande question reste. Comment le modèle financier de CNN changerait-il sous la direction de Musk? Traditionnellement, les réseaux d'information dépendent des revenus publicitaires et des abonnements. Mais l'aversion de Musk pour la publicité conventionnelle pourrait le pousser à rechercher des sources de revenus alternatives. Peut-être intégrerait-il un modèle d'abonnement premium, offrant un accès sans publicité à des contenus exclusifs, des rapports préliminaires et des images inédites. Ce modèle répondrait à un segment croissant de consommateurs qui préfèrent les services basés sur l'abonnement aux contenus financés par la publicité. Alternativement, Musk pourrait introduire des stratégies de monétisation innovantes, telles que des microtransactions pour des contenus spécifiques ou la couverture d'événements spéciaux, comme des interviews exclusives avec des personnalités influentes. Il pourrait même envisager de financer CNN par le biais d'une fondation ou d'un modèle à but non lucratif, supprimant complètement la nécessité de publicité. Cela éliminerait non seulement l'influence potentielle des annonceurs, mais positionnerait également CNN comme une chaîne d'intérêt public, dédiée uniquement à la fourniture de nouvelles objectives. Les implications de l'acquisition de CNN par Musk vont au-delà de l'industrie des médias, symbolisant une tendance croissante où les entrepreneurs technologiques redéfinissent les secteurs traditionnels. Si Musk acquérait CNN, cela pourrait établir un précédent, inspirant d'autres leaders technologiques à investir dans ou réinventer des institutions établies, de l'éducation et de la santé aux finances et au-delà. Ce changement pourrait transformer fondamentalement la façon dont la société fonctionne, à mesure que les organisations traditionnelles adoptent les stratégies innovantes basées sur les données que des entreprises technologiques comme Tesla et SpaceX ont pionnières. Pour la société dans son ensemble, cette acquisition potentielle soulève des questions critiques sur qui devrait contrôler les médias et quelle influence les dirigeants technologiques devraient avoir sur le discours public. D'un côté, CNN dirigée par Musk pourrait devenir une force puissante pour la vérité, contrebalançant le sensationnalisme et le biais qui frappent souvent les médias. Mais d'un autre côté, cela pourrait conduire à un scénario où la vision d'un individu façonne de manière significative la perception publique, même involontairement. L'équilibre entre innovation et responsabilité serait la clé du succès de Musk dans cette nouvelle entreprise. Enfin, la potentielle acquisition de CNN par Musk pourrait déclencher une conversation continue sur l'avenir des médias à l'ère numérique.